bonus ou celui-là, ça fait déjà 7 jours, je crois. Ça fait un moment. On avait déjà parlé ici des vélins transcendants. Non, mais par pitié, Max, ça fait 150 jours. Dis-nous que c'est une vanne. Max, ça fait un mois et demi que c'est sorti, on en a parlé. Et à chaque fois, on dit que si vous avez fait Day One tous vos trucs, vous pouvez ouvrir le 24 décembre. Non, mais il est. Mais Max. Oh là là. Et après, ils commencent à vous dire ouais, Apple, ils ont pas de cerveau surtout. Oui, bien sûr. Excuse-moi. Et bienvenue sur ce plateau décoré de manière magnifique. Encore une fois, regardez ça. Et un plateau que j'ai déjà du mal à contenir tant ils sont beaux, tant ils sont forts. Hey, à part toi, moi je t'aime pas. Moi je suis pas fort. On va régler ça tout à l'heure. Okay, on se battra au milieu juste après. Aujourd'hui, Mana, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Et mec, ici on même. On s'est pas vu, je sais pas, mais ici, ouais, ça fait, je pense, ça fait 2 ans. J'ai demandé son âge à Dédé Fion, qui m'a répondu 42, c'est vrai. Ah le bâtard. Quoi? Mais j'ai 28 ans. C'est sûr de ça? Bah ouais. Je suis né en 94. 4. T'es plus jeune que moi. Je suis désolé. 94, ça fait 27. Je me rends compte que de ce côté-là, on a presque autant de cheveux que ce côté-là. Et que toi, tu fais la balance équivoque en vrai. Oui, d'accord. Quand même. Il met des casquettes. Hein. Voilà. Après, Mana, sans faire le gap, parce que moi, j'ai un œil de calvoche. Ouais, ouais. Là, c'est Tintintière, là. Tintintière. Ouais, il y a juste pour la petite tête. Il a rien demandé. Tintintière. Tintin, la vache. Tintin, ça va. Tintin, ça va. Début d'émission, il prend un coup de coude sur son âge, un coup de coude sur ses cheveux. T'es content d'être venu? Ça fait plaisir. On n'est plus en Suisse, mon pote. Ici, c'est la France. Dernière petite news, vous êtes chez quel opérateur rapidement? À chaque fois, il nous demande. Non, mais demande qu'à se passer. On est chez qui? Rapidement, peut-être. Je crois Orange, non? Oh là là, j'y attendais pas. On est chez qui? Orange, là là. Je serais passé Bouygues. Mais comment tu sais? Bah, c'est fou. T'as une émission. La dinguerie. Peut-être chez Bouygues. Chez Bouygues. Ah, la team Bouygues ici. Eh bien, rien à voir. On va parler de ça. Ça? Ouais. Mais personne là à part lui. La fraude ultime. Comment toi tu l'as? C'était un défi qu'il devait réaliser pendant les émissions le mobile. Et il a réussi. C'est une des rares personnes à posséder un truc sans te faire carry. Un Diablemon. Si, on l'a beaucoup aidé. Mais on a été très laxiste aussi sur la réalisation du défi. Mais c'est Twitter qui a voté. Twitter est connu pour être très gentil. Bah, non ouais, mais ils l'ont fait gagner. Mais on a eu quand même quelques commentaires en mode oui, c'est inadmissible. C'est un mec qui ne joue pas suffisamment au jeu, qui ne mérite pas. Moi je voulais. Voilà, c'était à peu près ça dans les, après, dans les commentaires. Est-ce que... C'est good. Eh bien, parfait. Ah, génial aussi. On va montrer au stream ce magnifique fond d'écran d'abord. Oh là 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 là, un Jojo. C'est pas une blague. Bah, il a dit quoi? Il a dit quoi? J'ai stylé Dragon Ball. Merde, trop bien Dragon Ball. Il est rassé derrière. Jojo. Moi, jamais. Moi, j'ai un truc où il y a une fois, j'étais tellement énervé, j'ai pris la voiture, je vais me garer sur un parking pour jouer. Pour faire. Vraiment, parce que ma femme hurlait, elle était en mode j'en ai marre de t'entendre péter un pont. C'était début du verre. J'ai fait ah ouais, j'étais trop vénère parce que tu sais, c'est le truc, t'es énervé parce que t'as la RNG, ta femme a crié, donc ça t'énerve encore en plus. Et je dis ah ouais, j'ai pris la bagnole, j'étais ok. J'arrive sur un parking. Au supercharge. Maintenant je joue. Et tu hurles encore plus. Ding ding ding. Vite arrêtez la RDA moi. C'est une grande émission. Putain, je suis à 61, je pue la merde. Du level quand même, hein. Pour aller légaliser celle-là, tu peux... Moi, j'ai fait une capsule pour Amazon lors de ma participation où j'ai fini 8e mondial. 8e mondial. Avec sur un temps de 7,47 ici. Et on se rappelle de mon accent anglais. Yes, I play guitar. I play guitar. Yeah, I play guitar. Do you know Chimo? Il était terrifié. Non mais par contre,
Tu sais que ça c'est pas une vanne hein. Non, ça c'est pas une vanne. Alors écoute, Emana est témoin, je vous jure que c'est vrai. On arrive ensemble. On arrive ensemble parce qu'on passe le moment ensemble. Donc je resitue tournoi Amazon. On est encore aux prémices, la RTA vient de sortir, mais le non, la RTA n'était même pas sorti, c'était des trucs de donjons, etc. C'est organisé par Amazon. On se retrouve à Newark, donc le cousin maléfique de New York. On arrive là-bas et on va manger au resto. Et on est invité par plein de représentants comme tout. Ouais, super sympa, on rigole, machin. Et là, je rencontre des participants. Alors, je me souviens, j'étais encore fumeur. Et le seul mec qui fumait, c'était. Ah oui. Il s'appelle YouTuber. YDCB. YDCB. Merci. Et foi, gros. Premier truc qui me dit, je suis en mode bonjour à tous. Hello guys, I am French. I don't understand. But yes, it's okay. Donc, on rigole. Et le mec, dès que je le rencontre, il me dit. Do you have tableau? Ça me met bien l'audience, je te jure que c'était ça. Et j'étais en mode. Alors, il est vrai que j'ai quelques œuvres chez moi, mais je vois pas le rapport. Quelques NFT. J'ai dit frérot, moi je viens pour le plaisir. Moi je viens pour le cash prize du 8ème. Oui, parce que en vrai, cash prize du 8ème, je crois que c'était 1500 quand même. Et surtout, on a été reçus comme des rois, ils nous avaient donné une carte prépayée de 500$ où on pouvait aller. Ah oui, c'est vrai, tu te souviens? J'ai acheté un casque Sennheiser. Ah ouais, frère, moi j'ai pas mangé pendant 3 jours. On est allé dans un Microsoft Store. J'ai dit, ok, ça c'est pour moi. J'ai acheté des enceintes JBL pour ma femme. Je rentrais, je vois, c'est comme toi, c'est mon régalé Amazon et tout. Ah, tu choisis ta maison. Tu peux demander ce que tu veux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un Gryffondor, un Serpentard, un Poufsouffle. Ah, Poufsouffle. Franchement, je m'en bats les steaks. Serpentard? Allez, Serpentard. Allez, Serpentard. Tu as parlé fourchelant. Autre chose, parti sur la maison Serpentard. Oui, dans ce cas, Serpentard. Let's go. Il est trop content. Voilà. Tu vas être détesté de la moitié du. Du paf, ouais. T'es clairement la meilleure maison. Non, mais non, c'est Gryffondor. Moi, je kiffe trop. Gryffondor, c'est trop shonen. Serdaigle, il bouffe des bouquins, c'est ça? Ah non, Serdaigle, c'est la botanique. Non, Serdaigle, c'est juste. Poufsouffle, il bouffe des bouquins. Poufsouffle, des bouffons. Poufsouffle, les rats de bibliothèque. C'est vraiment les rats. Oh là 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 là. Et Mana, qui est monstrueux, malgré son âge avancé, il a une très bonne vue. Oui. La balle perdue, encore une fois. Top. Oh putain. Vagabond Light. Qui s'appelle? Il s'appelle. C'est Darion. Oh alors j'ai pas, malheureusement pas accepté. Évidemment, c'est Savannah. Non, il avait à côté. Emana qui prend ce poids et Galineur. Alors, c'est qui le patron? C'est moi, toujours. C'est toi. Ça va pas bouger. Ça aurait été bien sympa, quoi. Alors, la magie existait, Jumpé. Putain, c'est... Ouais. Enfin, j'aurais été un aurore. T'aurais été un aurore? Ah ouais, je pense, ouais. Alors, Reza, t'aurais été quoi? Côté du mal? Genre un mage noir ou genre un aurore, quoi? Mage noir, ça tente, hein. Mais Dumbledore a cette aura. Ouais, je pense qu'il aurait réussi à m'attirer vers lui. Genre, toi, t'aurais été rogue, en fait. Et je serais mort pour Dumbledore, tu vois. Rogue. Wow, c'est beau ce qu'il dit, putain. Moi, j'aurais été dentiste. Caca. Bosser. J'aurais été moldu. J'aurais été un peu kiffé. Mogwall. C'est une bonne réponse, mesdames et messieurs. La chance que t'as entendu, Moubli. C'est notre réponse. Je sais pas comment s'appelle le light, donc j'ai de la chatte. Comment s'appelle le light? Le light, c'est. Paprenel. Nicolas. Oh, il est là. Bah, du coup, je gagne le poster. Du coup, tu gagnes le poster. Je n'ai qu'une parole. C'est ce toaster. Content. En vrai, on devait en avoir. Mais celui-là, je pense que c'est celui qu'on a ici. Mal à Tiger, je suis en train de se battre pour un toaster. Gros. Mais on se bat pas du tout. Il est gagné. Des défions. Il est beau. Ça fait combien de temps qu'on se connaît maintenant? Je vais t'offrir un toaster. Pour célébrer notre amitié. Quelles sont vos nerfs. Wonkid X Summoner's War. Et comme tu peux le voir, c'est pas du tout des autocollants qu'on a. Non. D'ailleurs, c'est le Ressus Toaster, je crois, de son vrai nom. C'est pas une vanne. C'est bon. On aura pas le temps. Ouais, de tout. Ouais. Non, mais attends, t'as vraiment zéro Light and Dark. T'as du Dark Knight. Mais arrêtez avec les Dark Knight. Je ne touche pas au Dark Knight. Il y en a moins. On vient tous de faire l'effort là. Je ne touche pas au Dark Knight. Il est sérieux. Tu fais pas des Dark Knight. Ils sont horribles, ces vélos. On leur invite. Je les déteste. Allez, on voit le nombre. On voit. Il reste une minute. Je sais pas combien j'en ai. Regarde. Tu veux regarder? Oui. Vous êtes sûr? Voilà. Allez, 24. Allez, vite. Go, encore 8 minutes. Bon bah. Allez. L'étincelle. Vas-y, Mana. Qu'est-ce qu'il raconte? Allez, ça va péter. Ça, Mana, tu nous fasses vibrer. Une étincelle pour Mana. Pray for Mana in the chat, man. Il suffit à pas du faire. Alors,
alors peut-être, alors peut-être, alors peut-être. Ce sera plus qu'il n'y ait aucune personne. Alors. Ah non mais gros mais. Peut-être. C'est grave mais je vous le dis. Dépêche-toi 30 secondes. Allez. Mais Il n'y a pas de. Allez Mana. Mais quoi? Mais non. 4 3 Il reste pas de souille. Croyez-moi. Mais quoi? 1 Oh non. C'est pas scandale. C'est de la. Il le fait mais il a pas eu les trucs. Il a rien. Merci à tous d'avoir suivi, c'est une catastrophe. Tu viens de passer des bisous, on se retrouve dans le récap tout à l'heure.